montre en guerre d'ailleurs. Nous voilà en haut. Dans quelques instants, procédez, mesdames et messieurs, à l'ouverture de cette cérémonie d'investiture. J'entends des sifflets, j'entends des cris, j'entends pas d'applaudissements, j'entends pas les hurrahs de la foule. Voilà. Là, nous sommes en face. Allez, au fur et à mesure donc, de l'avancée de cette personnalité, comment continuer à applaudir, continuer, voilà. C'est vous qui accompagnerez donc durant son positionnement sur ce podium. Personnalités prennent place, mesdames et messieurs. Yes, voilà, merci. Ah, merci. Merci. Le masque, on va vous dire le truc. Oui, s'il te plaît, merci. Alors, cette phrase qui se dit dans la foule, si ça pouvait se dire de manière collégiale, mettez-vous d'accord pour le dire tous ensemble. Et si on se levait, pour applaudir, voilà, si on se levait, là. Et si maintenant, à mon signal, on commençait à faire applaudir. La nouvelle équipe qui sera mise en place. Le timing est respecté et normalement sans plus tarder nous devrions avoir. Voilà. Jusqu'au bout, c'est aussi ça, être politique et engagé. Je voudrais adresser un message de paix, de dignité, d'amour et de respect à notre population. Cultivons la sagesse. Le monde entier nous regarde. L'équipe au service de la population, menée par Cédric Cornet, a remporté les élections municipales du Dosier. Nous ne pouvons que nous plier au verdict de la population. C'est ça la démocratie. Au suivant de liste, sans que ce dernier n'ait à l'accepter formellement. Je déclare donc le conseil municipal installé dans ses fonctions. Je rappelle qu'en vertu de l'article L21-21-15, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il est en principe fait le choix du plus jeune membre du conseil municipal. Donc, je propose de désigner M. Alvéré Lucas en qualité de secrétaire du conseil municipal. Abstention.
Résultat du vote, je ne sais pas qui te donne, donc je pense que c'est à l'unanimité, je suppose. Il faut que je redemande ou c'est bon? C'est bon. Très bien. Très bien. Monsieur Albéry est désigné secrétaire de séance à l'unanimité. En application de l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance sera assurée par Monsieur Zadi Marcelin, le plus âgé des membres du conseil municipal. Sur ce, je laisse la place à Monsieur Zadi pour poursuivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Les membres du conseil municipal, chers collègues, je vais procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Monsieur Cédric Cornet. Madame Liliane Montou. Monsieur Guy Baclay. Madame Weni Youn Molia. Monsieur Teddy Olivier Barbin. Madame Nanouchka Lui. Monsieur David Laurent Lutin. Madame Francéna Lunion, épouse Urbino. Monsieur Louis-Michel André. Madame Elodie Clarac. Monsieur Émory Beaupertuis. Joël Frère. Madame Nina Valentine Polon. Monsieur Michel Éloi Autin. Madame Sandra Sophie Molia. Monsieur Sébastien Michael Thomas. Madame Mégane Bourguignon. Monsieur Marcelin Lucien Zami. Madame Marie-Renée Adélaïde. Monsieur Stéphane Fabrice Uri. Madame Rebecca Anne Belval. Madame Josie Jean L'Aquitaine. Mévis Christelle Vérité. Lucas Benjamin Albéry. Sylvia Monique Henry. Jimmy Marius Dameau. Monsieur Jean-Claude Christophe. Madame Nadia Sellini. Madame Yann Bézia. Monsieur Yvan Martial, conseiller démissionnaire.
Monsieur Julien Dino, Monsieur Patrice Pierre Justin, Madame Maggie Bordelais, Madame Jocelyne Virolan. Conseil municipal, chers collègues, je vais procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Application des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, avant de procéder au vote, j'informe que le bureau est composé de président, moi-même, d'une secrétaire, Madame Ingrid Soudan, responsable de la direction des affaires générales, a été désigné en tant que secrétaire de bureau. Deux assesseurs qui souhaitent assurer le rôle d'assesseur. Et de s'assurer du bon déroulement et de la régularité du vote, des comptes, annonces et proclamations des résultats, de gérer les listes d'émargement, deux scrutateurs qui souhaitent assurer le rôle de scrutateur. Madame Wendy Moulia et Madame Nadushka, lui. Les deux scrutateurs sont Madame Katie Cancel et Mercedes Platon. Chaque conseiller à l'appel de son nom doit s'approcher de la table de vote, déposer son bulletin dans l'urne, puis signer la feuille d'émargement. Thank you.
à voter. Wendy Molia. Monsieur Teddy Barbin. David Lutin. France Urbino. Sébastien Thomas.
voter. À voter. Stéphane. Voter. À voter. Voter. À voter. Josie L'Aquitaine. Voter. À voter. Mévis Vérité. Voter. À voter. Lucas Alberi. Cédric Cornet.
Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. 10. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Cédric Cornet. Blanc, putain, blanc. Demande au public de ne pas manifester, s'il vous plaît. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Merci beaucoup. Nous prenons un temps pour calculer le résultat. Thank you.
0. Nombre de votants, 32. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 5. Nombre de suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 17. A obtenu Monsieur Cédric Cornet, 27 voix. Monsieur Cédric Cornet, maire du Gosier. Merci. Merci. Allons monter. Et madame Annick Majkler, par la lumière, retournerait à lui remettre à son échange. Attends, les gars, tournez-vous bien, s'il vous plaît.
ça en magistère. Ça y a un roux, on peut l'inviter. Mettez-vous bien de profil pour nous, s'il vous plaît, pour faire ça. Ok. Voilà. Bonjour, parlez les gars. Mets-toi. Non, c'est d'abord, c'est d'abord. Le bleu est en rouge. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci. Maman, ça part. Attendez. Abonnez-vous. Recule un petit peu pour les autres. Voilà. Ok. Pas de problème. Attends, vas-y, Bécune. Je demande à chacun de regagner sa place, s'il vous plaît. Lucas, vas-y. Et je vois personne de regagner leur place. Mon stylo. Je laisse la... Guy. Population de la Guadeloupe, bonjour. Tous ceux qui nous regardent à travers le monde, bonjour. Déjà, avant tout, il y a un seul mot qui me traverse l'esprit, c'est merci. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont permis que cela se fasse aujourd'hui. Merci. J'ai envie de dire merci à mon papa, Claude Condé. Merci à ma maman, Annick Machler. J'ai envie de dire merci à mes deux petites sœurs, Vanessa et Émilie. J'ai envie de dire merci à ma nièce Sloane. À ma compagne Luella André, à toute l'équipe au service de la population du Gosier, à toute la liste au service de la population du Gosier. J'ai envie quand même de marquer, parce que cette personne-là a beaucoup œuvré durant cette campagne, j'aimerais que vous appuyiez très fort Alex Lolia, s'il vous plaît. J'aimerais aussi que vous appuyiez très fort un ami frère, Monsieur Ferdinand Télémac. J'ai une pensée soutenue pour Monsieur Moïse Bernis avec son groupe Gosier Couleur Citoyenne. Je pense à mon ami aussi Ismaël Michael. Je pense à mon lieutenant de Margaillard, M. Ben Laden, Lydian L'Union. Je pense à toutes les petites mains qui ont permis que cette investiture soit une réussite, et notamment Edwin Lopen et Anthony Eustache Gabriel.
Je tiens à remercier tous les présidents d'associations qui ont fait le déplacement et les membres d'associations qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour ce nouveau conseil municipal et bénévole de la ville du Vosgien. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, citoyens du Vosgien, bonjour. Permettez-nous tout d'abord de remercier la population du Vosgien qui le dimanche 28 juin 2020 nous a porté son suffrage majoritaire, nous, la liste au service de la population du Vosgien. À travers le Vosgien, c'est à toute la Guadeloupe que nous voudrions nous adresser. Des messages d'encouragement et des actes de solidarité nous sont parvenus du monde entier. Cela nous va droit au cœur, soyez certains que nous ne les oublierons jamais. Nous remercions toutes les équipes qui, de manière désintéressée, nous ont permis d'amplifier nos rencontres avec la population et de développer le vote d'adhésion. Nous saluons tous les citoyens, les présidents d'associations, les forces politiques présentes qui témoignent aujourd'hui du soutien et de la confiance qu'ils portent à ce conseil municipal de la ville du Vosgien. Alors, nous voilà. Nous sommes 35 conseillers municipaux pour gérer les affaires de la ville du Vosgien. Nous l'avons rappelé tout au cours de la campagne électorale, les élus sont avant tout des représentants. Le peuple reste souverain. Les élus exercent leurs fonctions en étroite collaboration avec la population. Il en sera ainsi à Vosgien. Alors, nous nous adressons à vous, employés municipaux. Vous êtes le poumon de cette ville du Vosgien. C'est grâce à vous que tout est possible. Nous comptons sur chacun de vous. Nous connaissons votre implication professionnelle et votre dévouement. Je m'impliquerai personnellement afin que tous vos droits soient respectés et que vos conditions de travail soient à la hauteur du service qui doit être rendu à la population du Vosgien. Nous prendrons le temps de mieux nous connaître et de nous faire confiance dans le dialogue et le respect. Je tiens à remercier Madame la Directrice Générale des Services, l'administration communale ainsi que la police municipale pour leur implication et leur discernement. Nous nous tournons vers vous, salariés, artisans, agriculteurs, pêcheurs, petits commerçants, dont les mains et l'intelligence produisent la richesse du Vosgien. Les forces vives qui font l'économie du pays sont les bienvenues à Vosgien. Nous nous tournons vers vous, Vosgiens en recherche d'emploi, qui voyez vos forces et vos capacités inutilisées alors que vous réclamez la reconnaissance de vos compétences. Nous nous tournons vers vous, intellectuels et artistes, soucieux de mettre vos connaissances et vos talents au service de la population du Vosgien. Nous nous tournons vers toutes celles et tous ceux portés par la conscience d'agir en urgence pour le rayonnement du Vosgien. Pour notre part, en tant que maire du Vosgien, nous prenons solennellement l'engagement d'unir les forces des 35 conseillers municipaux afin de travailler comme un commun accord au service de la population, dans le respect de nos nuances et de nos différences, de nos originalités et de nos diversités. Nous affirmons notre détermination à lutter afin que le Vosgien se redresse avec fierté et avance vers sa destinée dans la verticalité. Comme vous le savez, notre conseil municipal est le seul de tout le territoire français à avoir pris la décision d'instaurer un conseil municipal bénévole durant toute la mandature dans une ville de près de 30 000 habitants. Comme vous le savez, cette idée, petit à petit, fait son chemin.
Chacun sait la méfiance que l'opinion publique nourrit à l'égard de la classe politique. Chacun sait la méfiance que la classe politique. Nous voulons rompre radicalement avec des pratiques honteuses moralement et condamnables politiquement. Il n'y a pas de politique sans morale, sans éthique et sans valeur humaine. Nous ne sommes pas venus pour prendre, nous sommes venus pour donner nos compétences, notre temps et notre énergie. Voilà pourquoi, dès aujourd'hui, sans aucune indemnité, nous nous mettons au service de la population du Gosier pour les 6 années à venir. Nous procéderons sans délai à un audit financier, structurel et fonctionnel. Nous proposons à toutes les organisations, à toutes les associations, à tous les collectifs, à toutes celles et ceux qui veulent engager la discussion et l'action sur les questions d'intérêt général à se joindre à nous lors de nos conseils municipaux ouverts. Nous les attendons le cœur rempli de générosité. Notre conseil municipal sera ouvert à tous les citoyens. Population du Gosier, chers invités, chers amis, comment parler du Gosier sans parler de la Guadeloupe tout entière? Le Gosier ne se situe pas dans une quelconque province chinoise. Et quand on regarde le Gosier avec un œil avisé, c'est toute la Guadeloupe qu'on voit. Alors que voyons-nous? Nous voyons la Guadeloupe comme un bateau ivre, vogué vers le néant. Tous les courants semblent se conjuguer pour conduire notre pays vers le chaos. Nous voyons la montée alarmante du chômage qui touche particulièrement notre jeunesse. Les poches de pauvreté et d'insalubrité qui se multiplient. La dépendance alimentaire qui se renforce. Les inégalités sociales qui s'aggravent. La délinquance qui s'amplifie. Les impacts alarmants du changement climatique et des pollutions. Comment comprendre que la Guadeloupe, la Carduquera de nos ancêtres caraïbes, l'île aux belles eaux, soit précisément privée d'eau potable en qualité et en quantité depuis plusieurs années? Cette situation inenvisageable dans un département français au XXIe siècle constitue un véritable défi au bon sens. Nous faisons donc du plan Marshall de l'eau un point essentiel de notre programme. Cette question vitale doit être réglée dans les meilleurs délais. Voilà des signes qui ne peuvent tromper. Alors, quand notre société est parvenue à un tel degré de délabrement, d'éparpillement et d'effondrement, il est dans mon devoir de maire de me dire haut et fort, ça suffit. Il ne s'agit pas d'avoir les yeux rivés sur le calendrier électoral. Il ne s'agit pas de rêver de mandat à conserver, de poste à conquérir, de position à maintenir, de magouille à perpétuer, de profit à réaliser, d'affaires à conclure, de marché à gagner. Il s'agit pour nous, avec courage et ténacité, de se lever ensemble pour exiger justice, égalité et respect. Mesdames et messieurs, en ce moment solennel, permettez-nous de nous adresser à la jeunesse. Jeunesse de vos pays, nous connaissons votre mal-être, nous connaissons vos difficultés. Nous voyons que les conflits s'expriment dans la violence démesurée. Nous observons que les générations ne se rencontrent plus, que les adultes sont souvent reclus dans l'inquiétude et que beaucoup de jeunes sont ballottés entre les travailleurs sociaux, les tribunaux et les commissariats de police. Nous n'ignorons pas que notre pays est frappé de convulsions mortifères. Jeunesse de mon pays, nous ne saurions nous accommoder de la violence. L'exercice de la violence est toujours un drame, un malheur, un échec. À la racine de la violence, il n'y a pas la vie, mais la destruction de la vie, c'est-à-dire la mort. L'heure est venue de briser l'enchaînement des vengeances et des revanches. Comprenez-nous bien, nous ne vous invitons pas ni à la passivité, ni à la soumission.
Nous vous invitons à la réconciliation en vue de la construction d'une communauté humaine fondée sur la reconnaissance mutuelle. Jeunesse, jeunesse, ne craignez rien, relevez la tête et vous verrez que des jeunes Guadeloupéens, dans ce pays nôtre, imposent leur respect par leur engagement, leur effort, sans relâche et leur réussite brillante. Relevez la tête et vous verrez que par-delà la mer, les océans, de jeunes Guadeloupéens marquent de leur sceau le cours du monde dans les domaines les plus pointus de la science, la technologie et de l'entrepreneuriat. Relevez la tête et vous verrez que la jeunesse, aux confins des pays lointains, porte en elle notre génie créateur dans les domaines du sport et de la culture. Ce simple constat doit justifier l'espoir de chacune et de chacun d'entre vous à exister et à croire en vous-même. Ce simple constat doit fortifier votre volonté de semer des graines d'avenir dans la terre guadeloupéenne, d'allumer des étoiles dans le ciel de l'espérance, de faire rougir des charbons ardents sous les cendres de la résignation. Et votre nouveau conseil municipal mettront tout en œuvre afin que le Gosier redevienne la terre d'excellence et se transforme en une pépinière de talent. Jeunesse, n'ayons pas peur, ne craignons rien, allons avec confiance à la rencontre de nous-mêmes. Alors, sœurs, frères, jeunesse de mon pays, je fais écho à votre préoccupation d'espoir. Débattons entre nous. Éclairons-nous les uns les autres. Reprenons la parole afin que chacun puisse dire ce qui lui semble juste, beau et bien pour le pays. Construisons ensemble. Mes chers compatriotes, il nous appartient à tous de mesurer la sonalité du moment et la gravité de l'heure. Si le Gosier doit être la terre où doit germer un projet ambitieux émancipateur, une communauté égalitaire, démocratique et respectueuse des grandes valeurs humanistes, alors le Gosier sera cette terre. Je m'engage à ce que le Gosier contribue activement et efficacement au rayonnement de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Donner un autre sens à la vie publique est aujourd'hui une nécessité. Pour ma part, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Tel est l'engagement avec mon équipe que je prends devant vous, population du Gosier et de la Guadeloupe. Par ces temps incertains, rien ne sera facile. Mais nous apprenons vite. Merci beaucoup à vous tous. Alors, je propose au conseil municipal de poursuivre nos travaux. J'invite le conseil municipal à poursuivre l'ordre du jour et à passer au point relatif au maintien du périmètre des quartiers et renouvellement des conseils de quartier. J'informe qu'il y a nécessité d'acter le maintien du principe des conseils de quartier préalablement à la fixation du nombre de conseils de quartier et leur élection. Aussi, je passe la parole à Madame Ingrid Soudan, responsable de la Direction des Affaires Générales, pour présenter le point. Regroupé jusque-là en trois quartiers, de la manière suivante. Le quartier numéro 1 est composé de Bas-du-Fort, La Brousse, Mathurin, La Boye, Le Bourg et Grande Ravine. Le quartier numéro 2 est composé de Leroux, Cocoyer, Grand Bois, Bouliqui, Moreau et Port-Blanc. Enfin, le quartier numéro 3 comprend Pliane, Margaillard, Beaumanoir, Petit Havre et Saint-Félix. Alors ce découpage repose principalement sur les données topographiques du territoire, une logique de section cadastrale
et de la limitation par les grands axes, la RN4 et la D103. Conformément aux dispositions prévues à l'article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales, les communes comme Le Gosier, comprises entre 20 000 et 79 999 habitants, ont en effet la possibilité de fixer le périmètre de chacun des quartiers constituants. S'il n'y a pas d'autres, nous pouvons procéder au vote. C'est déjà fait. Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour, fixation du nombre d'adjoints et d'adjoints de quartier. En application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 10 adjoints au maire au maximum. À noter qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 10 adjoints. Il convient également de procéder à l'élection des adjoints de quartier. Je passe la parole à Madame Ygritte Soudan, responsable de la direction des affaires générales, pour de plus amples précisions. Et en détermine le nombre sans qu'il puisse excéder 30% de son effectif légal. Alors cet effectif étant de 35 conseillers municipaux pour Le Gosier, conformément à la répartition figurant à l'article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales, peuvent être créés 10 postes d'adjoints maximum. Par ailleurs, dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants qui font le choix de fixer le périmètre de leur quartier, comme nous venons de le faire, et dotent chacun d'eux d'un conseil de quartier, la limite de 30% peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints de quartier, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif du conseil municipal. Donc, peuvent être créés 3 postes d'adjoints de quartier maximum au Gosier. Donc, bien évidemment, l'élection se fait en même temps et les adjoints de quartier figurent sur la liste des adjoints proposés par les différentes listes. Voilà. À noter que l'adjoint chargé de quartier a compétence de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Donc, il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Teddy Barbin, s'il vous plaît. Voter. Voter. À voter. Se prépare Madame Nanouchka Louis, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare M. David Lutin, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Francina Urbino, s'il vous plaît. Voter, à voter. Se prépare Monsieur Louis-Michel André, s'il vous plaît. À voter. Se prépare Monsieur Emery Beaupertuis, s'il vous plaît. Voter, à voter. Se prépare Madame Marguerite Murat-Cancel, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Jules Frère, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Nina Polo, s'il vous plaît. Voter.
Voter. À voter. Se prépare Monsieur Michel Autain, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Sandra Molia, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Sébastien Thomas, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Mégane Bourguignon, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Lucien Marcelin Jamy, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Marie-Renée Adélaïde, s'il vous plaît. Se prépare Madame Marie-Renée Adélaïde, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Stéphane Uri, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Rebecca Belval, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Josy Jean Laquitaine, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Mévis Vérité, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Lucas Alberi, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Sylvia Henry, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Jimmy Dabo, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Nadia Cellini, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Monsieur Patrice Pierre Justin, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Maggie Bordelais, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Jocelyne Viroulan, s'il vous plaît. Voter. À voter. Se prépare Madame Guylaine Jeanne, s'il vous plaît. Voter. À voter. Nous avons épuisé la liste d'appels. Voter. À voter.